Salut tout le monde et je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez avec vous notre bateau pour la rubrique Android System. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans la rubrique Android System. Aujourd'hui, on va vous montrer comment changer la configuration de votre traitement ou tout votre traitement et des informations dans votre appareil Android. On va cliquer sur Settings ou paramètres, mais c'est quel traitement de configuration. Et quand vous cliquez ici, par exemple, on va cliquer sur About Tablet. Vous voyez, le traitement s'effectue bien rapide. Puis on va cliquer sur Systems. Vous voyez comment le traitement s'effectue bien rapide. Et si vous voyez l'accélération de votre appareil Android ou de votre logiciel Android, il ne s'y traite pas rapide les informations, vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur Developer Options, l'option développeur. Et on va descendre pour avoir Scale Animation, pour aller dans les mesures Scale Animation Duration. Vous voyez Animation Duration Scale. Bien. Et on va mettre ça sur 10. Animation Scale 10, 10x. Et vous allez voir comment s'effectue les traitements de votre logiciel Android. Et vous voyez, c'est trop lent, ça prend trop de temps et pour traiter vos informations ou pour s'envoyer vos informations. Vous voyez maintenant, on va cliquer sur Systems une fois, Advanced, Developer Options. Vous voyez maintenant, il y a trop de temps écoulé pour effectuer toutes vos informations ou pour faire un traitement simple. Maintenant, on va cliquer sur Scale Animation. Et si c'est trop lent, on va sélectionner une autre animation Scale. Par exemple, on peut avoir la fermeture de votre scale animation ici. Et si on clique sur animation scale, et vous voyez, c'est bien rapide. Et comme avant, vous voyez, plus rapide, plus rapide, bien rapide, comme avant. Et vous savez maintenant comment désactiver longue duration et des traitements de votre logiciel Android. Merci. À la prochaine, et vous avez avec vous Maître Bateau. Si vous avez quelque chose à nous suggérer, vous faire comprendre ou ne pas comprendre à propos de cette vidéo, vous pouvez nous décrire ça dans les commentaires.